Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Bleach Brave Souls, encore une histoire secondaire, en garde cité un homme. Bon voilà, une petite histoire secondaire, j'attends toujours sa fouaille. Spirit has always with you, mais ça sort pas, je sais pas, ils y mettent du temps. Et toujours cette super musique qui est liée à la série Burn the Witch que je n'ai toujours pas eu le temps de regarder. C'est... Je sais, j'ai envie, hein, j'en ai envie, mais j'ai pas le temps. C'est affreux. Mais j'aimerais beaucoup. Allez, c'est décidé, je m'y mets ce week-end. Ce week-end, je regarde Burn the Witch. Mizuo, j'ai fait venir Ikaku comme tu m'avais demandé. Excusez-moi, je vérifie juste que mon installation est ok. Ça va être ok. Mon chéri, merci d'être venu. Tu sais quoi, les membres de notre club de Kendo se sont fait prendre en embuscade par des types d'un autre lycée. C'est vraiment dégoûtant, non? Ah d'accord, ok, donc ça reprend cette histoire secondaire de Ikaku qui va manager qui va coacher un club de Kendo. Ok, de Kendo, ouais, Kendo, c'est ça. Pour nous venger, j'ai demandé un match amical, seulement voilà, les seuls valides sont les premières années et ils n'ont pas le niveau. Et donc mon chéri, je voudrais que tu les entraînes, je compte sur toi pour les rendre forts. Nous nous en remettons à vous. Et donc oui, ça va tourner essentiellement autour de ce personnage. Qui est un peu le plus frêle, mais qui a le plus de volonté. Quoi. Mais enfin Mizuo, tu ne peux pas demander ça à Ikaku, mais il ne... D'accord, je marche. Hein, sérieux? Ouais, t'es le meilleur, mon chéri. Mais pourquoi? Je lui dois le gîte et le couvert. C'est parti, je vais faire de vous des hommes forts. Que ceux qui veulent gagner me suivent. Et silence dans les rangs. D'un côté, ça y plaît un petit peu de... Dead coach, mais bon, et puis d'un côté, il justifie que c'est vrai que il doit dire ça à Mizuo. Et c'est vrai qu'il faut pas que j'oublie, je peux appuyer sur F pour dash. Allez, vous n'allez pas me dire que vous abandonnez. Oui, monsieur. Des carrioles remplies de pierres montent en grenouille des escaliers interminables, s'entraînent pendus à l'envers, se font écraser par des marmites en pierre. D'où il sort cet entraînement du Moyen-Âge? Le coup des marmites, c'est carrément de la torture. Et toi, je ne voulais pas mettre en doute tes méthodes, loin de moi cette idée. J'ai une petite affaire à régler, surveiller un peu. Comment ça? Bon voilà, comment ça se passe. C'est-à-dire que... Ton entraînement est trop sévère, ils sont tous bons pour l'infirmerie. Franchement, ils sont encore plus mal en point que ceux qui ont été blessés dans leur embuscade. J'ai un peu exagéré. Ils ne sont pas en état de se battre. On fait quoi pour le tournoi? Bon, je vais m'en charger personnellement. Pardon. On doit gagner à tout prix. Laisse-moi faire. Bien sûr, toi, tu peux gagner. Mais pourquoi tu fais ça si sérieusement? Je n'avais pas vu ce regard brûlant du désir de devenir fort depuis longtemps. Il parle vraiment comme un ado.
Allez, vous allez Ah, répartir voilà, ça comme sur ça, c'est plusieurs roulé. épisodes, enfin sur plusieurs chapitres. Ouais, bon, ok. C'est pas un des épisodes les plus intéressants. Bon, il est un peu révélateur de la personnalité de Kaku, quoi, ça, parce que ça tourne essentiellement autour de lui et d'un personnage du monde des humains, mais sinon c'est pas. D'ailleurs, personnage, c'est bête, il est introduit, il a. Et il sera pas. On le reverra plus jamais dans l'animé, c'est un petit peu dommage. Ce genre d'épisode filler, c'est un petit peu dommage en vrai. Ikaku, c'est un tournoi par équipe, seul, même si tu participes. J'en connais quelques-uns qui peuvent nous aider, je vais aller leur demander. Des aides, est-ce bien nécessaire? C'est un simple match amical, pas un tournoi officiel, ce serait plus simple de déclarer forfait. Qu'est-ce que t'as dit? C'est nous qui avons demandé ce match amical, ce serait une honte d'abandonner. Un des premières années se sent capable de participer au tournoi. Il nous faut encore trois personnes. Bon, je vais voir ça. Ah, ça c'est Ah bon oui, ça. et puis donc il va demander à. Ouais. Éliminé! À Yumichika, à. Bon, on peut. À Matsumoto et à. Et à Toshiro. C'est con! Bon, on peut. Éliminé! Et voilà, j'ai besoin de vous pour le match. Non. Quoi? C'est un club de kendo masculin. Kurenbiku ne participe pas, je comprends encore. Mais toi, Yumichika, je te demande un service là. C'est hors de question, inconcevable. Tu peux essayer de me persuader, tu peux essayer de me forcer, je refuse de faire du kendo. Mais pourquoi ça vous rebute à ce point? Ton uniforme pue. Ouais. C'est sympa l'image. C'est pourquoi je refuse catégoriquement de faire du kendo. Voilà, sur ce, au revoir. Mais revenez ici, lâcheur. Ah putain, c'est vrai que. Non mais ça c'est vrai. Je sais pas vous si c'était le cas, mais au Oh, voilà, collège. retourner. Il y avait des maillots de basket, des maillots qu'on devait mettre pour le basket, qui étaient jamais lavés, qui puaient la sueur, c'était une horreur. Putain, je sais pas si vous avez connu ça aussi au collège, les maillots d'équipe qu'on fournissait, c'était un enfer, ça puait la mort. C'est comme quoi, je sais pas si au Japon c'est pareil qu'en France pour le coup, mais on. C'est vrai que c'était un enfer cette histoire. Ah non, je serais essayé. Hop, chapitre 3. Ah là 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 là. Dites-moi en commentaire si vos maillots d'équipe au collège puent la mort aussi. Bon sang, ils ont filé. Quoi, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'en fais pas, j'ai d'autres options. Ah bon, pourquoi tu achètes des bonbons? Pour une autre piste, allez, à plus. Je me demande ce que ça va donner.
Salut, c'est moi. Ikaku, qu'est-ce que tu fais ici? Tiens, voilà un petit cadeau pour toi. Sers-toi, je t'en prie. Merci. Dis donc, c'est super bon ce truc. N'est-ce pas? Au fait, j'ai un service à te demander. Viens participer à notre tournoi de kendo. Hein, là, comme ça, impossible. Pardon, t'as commencé à manger les bonbons que je sache? Parce que c'était un pot de vin. Arrête de t'agiverser, on va participer au tournoi. Ça va, j'ai compris, je vais y participer à ton tournoi. Si tu avais accepté tout de suite, on n'en serait pas arrivé là. Si je ne me trompe pas, Chad vient souvent ici aussi. Tant mieux, lui aussi, je vais l'engager. Je sais pas pourquoi je me souvenais pas de Renji et Chad dans l'histoire. Ça fait un bout de temps, donc cet épisode notamment je n'ai pas vu. Ça vous va comme un grand capitaine. Quelle chance qu'on ait trouvé un uniforme pour élève de primaire. Oh là là, mais comment. Cette image, elle est géniale. Elle est géniale, cette image là. Vraiment la Jojo's un petit peu, en plus, de Itsugaya qui est juste mais vénère comme pas possible. Ikaku, tu me rappelles pourquoi je dois participer à ce tournoi? Moi, je trouve que cette image, elle est géniale. De Itsugaya, vraiment en colère, le visage à moitié dans l'ombre, elle est juste géniale, cette image. Je suis désolé, capitaine, nous devons absolument gagner. Et Chad, lui aussi, tu l'as eu? Et non, il dit qu'il refuse les pots de vin. En plus, il avait autre chose à faire. Mais alors, il nous manque un participant, qu'est-ce qu'on va faire? Tu es là, toi? Ah. Tu viens avec nous? Je vais vous montrer. Moi, je me souviens bien que, ouais, Asano, lui, il participait. Donc, c'est Renji, Toshiro, Ikaku, Asano et celui qu'on a vu au départ qui est parti du club de base. Les 5 participants. Je sais pas pourquoi je me souvenais plus de Renji. Voyons, premier combat, victoire du capitaine Itsugaya. Combattant suivant, c'est le tour de l'amateur. On n'y peut rien, il perd. J'y peux rien, moi évidemment que je vais perdre. Renji reprend l'assaut et marque un point, 2 à 1 pour nous. Ensuite, il y a le type de la première année. Bah, même s'il perd, je passe en dernier et je remporte une victoire éclatante. Attends, il avait l'intention de participer depuis le début. Tu as parlé. Non, rien du tout. Bon sang, à Holo, à un moment pareil. Je dois sortir un instant, je reviens tout de suite. Commence sans moi. Pardon, mais non, attends. Désolé de vous avoir fait attendre. Où il est mon adversaire? Aikaku, l'élève de première année, a remporté son combat. Vraiment, ah, c'est bien, bon, et mon match. Mais on a remporté 3 matchs, donc tu ne combats pas. Répète un peu. Pour ce tournoi, c'est la première équipe qui a 3 points qui remporte la victoire. Le type de première année a gagné son match, c'est terminé. On s'en fout, où est mon adversaire? Ouais, et là c'est le twist. C'est le twist un peu humoristique de l'épisode. Du calme, Ikaku, inutile de s'énerver. Je le savais, tout ce qu'il voulait, c'était participer au tournoi.
Ah, on n'a pas le... Ah, on n'a pas la blague à la fin. À la fin, en fait, le dernier adversaire, c'était l'ex de la sœur d'Asano. Et en fait, elle voulait juste que... Ikaku défonce son ex, en fait. Mais ils ont pas mis la blague. D'accord, bon, bah, c'est un peu dommage. Parce que je trouvais que la blague était plutôt bonne. Mais bon, voilà. Bon, on a un petit peu de temps. J'ai 2-3 trucs à faire... à tirer. Notamment des points de con. Il me semble que, voilà, il y a... Voilà, j'ai quelques pages de points de con qu'on va prendre. Et en plus, ouais, en plus... voilà, c'était... C'est, je commençais à atteindre la date limite pour les récupérer. Donc on va récupérer ça. Et on va notamment tirer des points de pomme. Il faut que je regarde au niveau des tickets ce que l'on peut tirer également. Mais il me semble que j'ai quelques tickets 4 ou 5 étoiles. Ainsi que des tickets normales. Parce que toute la partie Chronicle a été réinitialisée. Donc j'ai acheté des tickets, j'ai acheté... voilà. Bon, ça on s'en fiche. Là j'ai d'autres personnages, mais on s'en fiche, ce sera des feeders. Non, on s'en fiche pas. Est-ce que cet Ikaku est un nouvel Ikaku? Je pense pas. Les Ikaku comme ça, je crois que c'est des... On va vérifier. Cette musique, elle est tellement géniale. Ouais, je savais déjà. Ok, donc on y va. Alors, on peut faire la loterie de Safway, justement. On va faire un tirage. Plus, je l'aimerais bien, le Shinji avec le masque de Holo. Ça serait vraiment classe. Non, malheureusement... C'est non. Bon, c'est pas grave. Alors, au niveau des tickets... Alors, oui, finalement, j'ai laissé la vente automatique parce que, en fait, je me suis bêtement rendu compte hein, que je vendais les 1 à 3 étoiles avec Belgiquement. Et de toute façon, j'ai actuellement tous les personnages dans l'album. J'ai tous les personnages 1 et 3 étoiles. Je les ai tous. Donc ça, y a pas de souci. J'en ai raté aucun pour le moment. Donc on peut les vendre, il n'y a pas de souci. On a un ticket 5 étoiles, donc ça fait un 5 étoiles gratuit immédiatement. La question c'est est-ce qu'on l'a déjà ou pas. Inamori. Ah, j'ai toutes les versions je crois d'Inamori, hein. Ouais. Et ouais, j'ai plusieurs tickets de loterie 4-5 étoiles à tirer. Donc on va les tirer, y'a pas de soucis. Non. C'est pas vrai, j'ai tiré aucun 5 étoiles sur 10 tickets. Ah l'arnaque. Ouais, allez-y, je lance cette dernière. Hop. Parce que là, sur 17 tickets, j'avais pété un scandale quand même. Tenza, ouais, bon, je l'ai. Bon. Bon, que les 5 étoiles que j'avais déjà. Pas très grave. Et on va faire donc les tickets Brave Souls. Voilà, qu'on va tirer directement 100 fois. Comme ça, ce sera réglé. Allez, dites-moi que sur 100 tickets, on a au moins 5 étoiles. Bien oui. Ah, ça c'est... Koga. Yok mitoke yo. Sonde dare ni mo yuu njaneezo.
Le tag team, je suis. Si, je dois l'avoir le tag team. Ah, c'était une nouvelle version de Koga et une nouvelle version du Kaku. Je pensais que je les avais déjà. Mais ok, bon, et le tag team d'Inamori, je savais que je l'avais déjà. Mais de nouveau 5 étoiles sur ce tirage de 50, voilà. Bon, après, tous les 3 étoiles, tout ça, ont été vendus. Mais oui. Super, super. Super. Bon, voilà. Alors, l'avantage, c'est qu'on gagne énormément de temps hein, avec ce mode de tirage là où on peut tirer jusqu'à 100 tickets d'un coup. Pourquoi ils ont limité à 100, par contre, j'en sais rien, parce qu'ils pourraient aller jusqu'à 9000 sans problème. Vu que la limite des tickets, c'est 9999. Pour l'avoir atteinte avec les tickets premium à une époque, je suis vaguement au courant. Pareil, hein, vous avez vu que mes camps ont pris une sacrée claque avec tous les tirages que j'avais fait à l'épisode précédent, je crois, où il y a 2 épisodes. J'étais à sec. J'ai dû farmer un peu les camps de con, vendre 2-3 trucs qui traînaient. Voilà, donc voilà. Ensuite, échange. C'est un échange, hein. Non, c'est pas dans l'échange. C'est dans... Là, magasin. Hop. Bon, il n'y a pas énormément de points. Je pensais qu'il y avait plus de points que ça. Mais bon, on va les faire. J'ai besoin de volonté de Gugu. Ben, ça veut pas. Hein. C'est pas grave, on profite de la super musique. J'espère qu'elle est pas trop forte. Mais elle est très rock, j'adore. Vous savez que le rock, c'est mon style préféré. Ah, quand même. Bon, c'est qu'une volonté, hein. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Une deuxième. C'est pas gagné, mais idéalement, il m'en faudrait 6. Bon, donc troisième. Et 5, il en manquerait plus qu'une, et au moins je peux libérer les 2 nouveaux personnages que j'ai obtenus. Bah super, bah voilà. Ah bah c'est génial. Bon, j'ai au moins les 6 volontés du Goku nécessaires pour les 2 nouveaux personnages. Ah bah c'est génial. 7. Ça tombe là, on lâche rien, allez. Cette volonté du Goku, on a rien de temps, là, ça fait plaisir. Oh, et un 8ème. Ça va même me permettre de pouvoir libérer Inamori aussi. La version tactile d'Inamori ou la version simple. Ça fait 9 et 10. Eh
Eh ben ouais, bah encore deux et je peux libérer tous les 5 étoiles que j'ai obtenues aujourd'hui. Ce serait top. On est à 11. Alors là, si j'avais à ne pas devoir farmer les portées du coup, même si ça tombe régulièrement dans les quêtes de groupe, hein, ça tombe régulièrement. De toute façon, ce soir, j'aurais certainement la volonté du coup qui me manquerait, mais si je pouvais avoir la 12e là, je serais sûr de pouvoir couvrir tous les personnages que j'ai obtenus. Allez, il reste une dizaine de tirages. Il va y avoir une volonté qui va tomber dans ces dix tirages. Allez, une 12e volonté là, il en faudrait une 12e. Ce serait l'idéal. Oui! Ah voilà, 12. Bien! Après, c'est que du stock. Je pense que je devais en avoir quand même un petit peu de stock, je crois, je suis pas sûr. Donc, je devais avoir deux volontés en stock, je crois. C'est le dernier tirage. Et on est à 13 volontés du Gyoku. C'est très bien, ça me permet de couvrir les quelques personnages que j'ai obtenus. C'est cool. En vrai, c'est vraiment cool. Donc, on va faire ça ensemble rapidement. Hein. Il n'y en a pas pour long. J'ai de quoi feed. On va commencer évidemment par ceux qui n'ont pas de badge. Donc Koga et Ikaku. Mince, je suis cliqué hors du jeu. Hop. Allez, Koga, c'est parti. Là, 6 étoiles. Une fois que j'aurai fini de up le Yamamoto et la Aineko que j'ai actuellement dans l'équipe de training,
C'est lui qui part en prod. Ikaku. Même topo. Par contre, son sourire, il est un peu... Là, il a vraiment la tête de psychopathe, là. Regarde un peu si j'ai ce qu'il faut pour les up, ces deux-là. Ah, il va me manquer des jambes d'attaque. Bon. Après les avènements, ça voilà, ce sera fait. Mais il va me manquer des jambes d'attaque. Ça veut dire que j'ai encore des millions qui vont y passer. C'est pas grave. Ouais, puis il y avait. Je sais que j'ai un Cayenne. J'avais aussi un Cayenne en stock, il est tombé tout à l'heure. Je l'ai pas vu. Oui, il y avait, c'est vrai qu'il y avait Tenza aussi qui était tombé. Ouais, 12, ça fait just. On va faire une amourine. Ah zut, j'ai encore piqué en dormir. Comme d'habitude, on finit de remplir l'arbre. De toute façon, les simples cristaux, j'ai le stock. Hein. Je peux maxer quasiment autant de personnages que je veux. Je pense qu'avant de tomber en pénurie, j'ai de la marge. Hop, on va faire la version tag team aussi. Maintenant, passer les 5 étoiles en 6 étoiles, c'est pas... J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Donc ça, il n'y a aucun souci. Même au niveau des Ogyoku, hein. J'ai 2300 Ogyoku encore. Hein. Je peux maxer autant que je veux des 5 étoiles, ça y est, pas de souci. Hop, comme ça, ça attendra. Donc on va faire Kinza. Ah, je me souvenais plus de Cayenne. Je me demande si je l'ai pas drop d'un tirage de leur caméra. J'avais dû le laisser là.
Yakuza. Il est un peu. Il est un peu raté son sprite, j'ai l'impression, façon son modèle 3D. Il est. Son vêtement est un poil trop clair, je dirais. Et surtout le bas est. Ouais. Remarque qu'il est moins vaporeux ouais, que le. Que la version Zangetsu de base. Donc c'est vrai que. Mais. Je sais pas, je trouve que. Je trouve que le costume aurait été plus sombre, ça l'aurait mieux fait. Et pour finir Cayenne. Donc par contre je n'ai pas assez de volonté de Yuko pour tout le monde. Hein. Mais bon, au fur et à mesure de la progression, ça devrait le faire. Voilà. Ouais, j'ai encore quelques événements pour feed éventuellement. J'ai verrouillé ces personnages-là parce que ce sont des personnages qui ont des événements poison et qui sont très agaçants. Et Tsukishima, c'est le pire à farmer. Donc pour le moment, je les ai verrouillés pour être sûr de ne pas les donner en feed. Si jamais je dois feed avec des 5 étoiles. Bon là, là ça risque d'être le cas parce qu'il va falloir que je feed des personnages avec à mon avis avec des 5 étoiles. Alors, qu'est-ce qu'il me manque ouais, bah il manque des forces moyennes. Ah, je peux peut-être les avoir avec... Hop, ça me fait quelques orbes en plus. Et je voulais augmenter Koga et Ikaku, c'est surtout eux, ce sont les nouveaux. Après, je farmerai les événements certainement ce soir. Ces deux personnages. Tout Ikaku, c'est pas très compliqué. En deux quêtes, ça peut être fait. Il me manque juste. Combien de clés ? 7 clés, ouais. Voilà. Après, j'ai des clés, hein. Sinon, s'il y a besoin, si j'ai la flemme de farmer. Mais en vrai, je préfère les économiser. Ouais, j'arrive à 300 clés quand même, hein. J'ai de la marge. Mais bon.
Ah zut. Il va me manquer des gemmes d'endurance. Et bah même topo. Non, pas magasin. Échange. À chaque fois il y a ça que je dis à chaque fois faut que j'achète. Après si j'en avais 2000 je peux avoir un sac étoile gratuit, c'est vrai qu'il faudrait que j'économise aussi hein, en vrai mes médailles. Mais bon. Priorité au up j'ai envie de dire. Pareil, Inamori, c'est que deux événements à faire. Ça serait très rapide à faire, même si elle, pour le coup, me rapportera pas de volonté de Goku ni d'orbe à up. Mais je crois qu'elle a des sous-traites intéressants. Hop, la leçon de team. On fait ça rapidement. Ça me permet de voir aussi au niveau des gènes si c'est... Oh là là là. D'accord, ok. Donc des petites gemmes technique et connaissance. Enfin endurance et concentration. Les Inamori sont pas très chers niveau événement. Ça va encore. Ça s'est encore planté. Est-ce que... Hop, on peut être renforcement. Alors, j'ai vu qu'est-ce qui me manquait le plus, c'était surtout... Deuxième. Bon, les 50, ça passe. Mais par contre, pour les... Pour l'endurance, il va falloir que je cherche ailleurs. Ça me coûte cette histoire 7 millions. Voilà comment mes camps... J'ai fermé le jeu. J'ai cliqué sur la croix, je suis désolé. Pas de souci. Désolé. Ah, le truc idiot, j'ai mis ce clic. Bleach X. Et voilà. C'est pas bien grave. La musique de l'accueil hein, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps dans la série et qui est cool. Bon. Je disais oui, voilà comment mes camps se sont partis. À une vitesse grand V, c'est j'ai la flemme de farm, du coup je paye. Et tout, hein, c'est la dure loi malheureusement. Hein. Mais j'ai quand même dépensé en 3 mois, peut-être bien 3 mois, j'ai dépensé quand même 600 millions. Hein. j'avais atteint les 600 millions en Kants. Tout est parti dans l'achat de cristaux. C'est juste un enfer. Non, sans déconner, je suis parti en cacahuète là-dessus. Quand j'ai redécouvert que je pouvais acheter des...
Ah là là, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Force et instinct. J'ai trop les acheter, hein, mais c'est serré, quoi. Niveau budget, c'est serré, quoi. L'avantage c'est que quand j'achète, je sais que je suis tranquille pour un petit bout de temps en fait. Mais quand je tombe en rupture de stock, c'est un enfer. J'ai plus qu'un million de cans. Cet enfer. Cet enfer, ce. Ah là là, mon compte de cans, c'est vraiment. C'est vraiment la graisse quoi. Il y a quoi que j'ai pas acheté? La défense, je crois. Les bleus. Ah d'accord, du coup, il est maxé. D'accord, lui, il n'y avait pas besoin d'avènement. Et pour finir, Tenza. Bon. Ah ouais, mais là j'ai plus rien. Là je suis à la rue. Là. Ah, je peux acheter que 25. Ah là 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 là. C'est... Bon, ouais, c'est parti pour le farm. Je vais devoir farmer du. Oh, je vais laisser courir comme ça. Ça va augmenter naturellement avec les quêtes que je vais faire, les quêtes d'avènement, les trucs comme ça. Et c'est tout. Ah, c'est terrible. C'est terrible. J'ai quelques personnages pour feed. Je vais récupérer les personnages pour feed. Les 6 étoiles que j'ai. Ça, c'est des. Ça, c'est ce qui vient de. Ah. C'est ce qui vient notamment de. Comment ? De tout ce qui est. Comment dire, bah les quêtes de Con et tout ce qui est quêtes Senkaimon, parce qu'il y a les Senkaimon qui ont été rouverts. Je me limite au niveau 40, je peux pas monter vraiment au-delà, de toute façon il y a rien vraiment intéressant au-dessus du niveau 40 dans la tour des épreuves. Après d'ici niveau 49 je crois il y a 50 orbes, mais je les atteindrai pas. Donc voilà, c'est pas... Pas plus intéressant que ça. Ah oui, c'est vrai que ça me coûte aussi des camps de faire ça. Je vois que ça continue à fondre en haut là. C'est l'enfer. Non, va falloir que je ferme des camps. Va falloir que je ferme des camps. Ah là, je vais devoir vendre du patrimoine. Je vous avouerai, je dois vendre du patrimoine là parce que c'est. J'ai plus que 230 000 camps, c'est pas énorme. Ah oui, il faut qu'on parle d'un truc aussi. Parce que des camps, on peut en acheter avec des orbes. Mais c'est hors de prix. C'est hors de prix. C'est même pas la peine d'y penser. Non, c'est pas ce que je voulais.
Ah zut. Ah, il manque. Pas un souci. Bon, est-ce que je tape un peu dans les. Bon, je vais taper un peu dans les 5 étoiles. Et bon, je peux vous montrer, mais voilà, hein, les camps, c'est non. Hein. C'est hors de prix. 160 orbes pour 191 000 orbes. Pardon, camps. Non, vous avez vu à la vitesse à laquelle ça part, ça vaut pas le coup. Donc, c'est non. Bon, bah voilà, hein, ça c'est fait. ça va être un enfer. Ça va être un enfer. Mais bon, voilà, c'est tout. La déchéance d'un homme, la fin d'une richesse, c'est triste, mais c'est ainsi. Après, voilà, pour gagner des camps, ce que je peux faire, c'est ça, c'est utiliser mes tickets de premium. Et comme ça vend les personnages 3 étoiles et ça me donne du feed. Bon, on va récupérer quelques feeders, mais. Ouais, je suis remonté à 200 000, mais c'est pas énorme, hein. À chaque fois, chaque 3 étoiles me rapporte 300. Ouais, voilà, je récupère à peu près 100 000 camps par vente, mais bon. Donc voilà, donc c'est ce que je fais, mais ça, pareil, mais c'est utile vraiment quand on a besoin de feed aussi, quoi. Donc là, je suis en train de remplir mon inventaire de personnages. Pas grand chose quoi. Bon, j'ai remonté jusqu'à 1 million. C'est bon, en deux ventes encore, ça devrait le faire. Deux, trois ventes, ouais. Allez, une dernière, et c'est bon. C'est un petit peu moins de 100 000 à chaque fois que je vends 100 tickets, mais voilà, je suis de retour à 1 million. On va terminer les feeds. Et on va se quitter là-dessus. Mais voilà, un peu de gestion du pognon dans le jeu. À la limite, perdre du temps à farm plutôt qu'à utiliser le. Le marché, parce que le marché, c'est vrai que niveau financier, c'est un petit peu un enfer. Mais bon. Ça fait gagner du temps, hein. Mais derrière, vous voyez les camps se fondre à une vitesse ahurissante, quoi. Pourquoi il est qu'à 73% lui? Ah oui! C'est vrai qu'il manquait ça! C'est vrai qu'il manquait ça! Bon bah c'est tout, hein. Ça, je formerai un petit peu de. Ah non, j'ai dit que je laisserai courir! Je vais laisser courir, c'est pas grave, il sera. Il passera en dernier, ce n'est pas grave. Bah écoutez, sur ce. Bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura fait les 8 histoires secondaires de Kaku. On aura profité de la musique de
de Burn the Witch. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Mais normalement, la semaine prochaine, on revient sur du... Chapez.io ? Ouais, c'est Chapez.io qui doit être en train de diffuser. Voilà, voilà. Après, oui, juste un dernier truc. Bon, ça fait une heure qu'on a parlé, mais j'ai sorti une vidéo sur The Crew 2. Allez la voir. C'est... Il y a des surprises. Il y a des surprises. C'est différent du 1. Donc, allez la voir. Voilà. Et allez voir la playlist sur The Crew qui est toujours marrante à regarder. Voilà. Même si ça... Ça colle pas vraiment avec ce qui se passe sur ma chaîne habituellement. C'est vraiment très très à part sur ma chaîne. Allez jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt.